J'ai ramené les ramounets. Yo les sims, bienvenue sur G-Connection, vos vidéos sur les J-Food. J-Food, parce qu'aujourd'hui on a du... On a de la boisson. Non. Putain, c'est du breuvage. Ça sort du frigo, c'est tout frais, c'est des boissons, ça s'appelle du lamounet. Voilà. Voilà. Carbonated Soft Drink. Donc on en a eu un, deux, Dragon Ball. Donc Dragon Goten Ball. Et Trunks. Ouais. On en a deux classiques. Ouais. Donc proposés par Kimura. Hey. C'est des lamounets. Donc Kimura ici, Sanders. On a donc arigato la fraise. Et ici, saveur originale. Kochira original de gozaimasu. Sachant que t'en avais eu un au préalable que tu as bu. Hey. En pleine nuit parce qu'il faisait soif. Il faisait soif et à la convention et enfermé dans la chambre d'hôtel. Et c'était Piccolo donc qui nous avait été donné par la boutique Yakissi à la convention capsule. Pas du en tout. Avant en avant les geeks. En avant les geeks et c'était bon. On espère retrouver les mêmes saveurs. Moi. Avec ces magnifiques ramounets. Moi. Ramounets. Lamounets évidemment c'est des boissons un peu comme de la limonade en fait qui est vendu au Japon dans des bouteilles comme ça qui sont faites qui sont assez particulières vous allez le découvrir ouais. Parce qu'elles sont aux normes sismiques. Exactement. Alors est-ce que c'est correct ce que je dis aux ouais, normes les sismiques. Les normes sismiques exactement. Donc pour ceux qui ne savent pas c'est les tremblements de terre. On va dire ouais. Mais qu'est-ce qu'il raconte. Pourquoi des bouteilles des tremblements J'étais donc en train d'ouvrir celle-là pour corroborer le discours de mon cher collègue. Et là tu vois qu'il y a une bille. Ah bah merde, on peut pas l'ouvrir. On peut pas l'ouvrir. Donc on a eu un bouchon qui va flûte. Avec. Qui permet donc d'appuyer pour enlever la boule, d'où le bruit que vous entendiez sur l'autre, ça faisait gling gling, parce qu'en fait cette boule qui vient donc se poser ici au niveau du c'est la clochette que Popo utilise, c'est la clochette c'est de Kaline hein, qu'il utilise pour l'entraînement de Goku. C'est vrai, c'est pas faux, parce que c'est vrai. Et ben voilà, la petite boule qui vient se poser ici limite les tombées d'eau. Si jamais vous avez un tremblement de terre, la bouteille elle est posée, bim, elle tombe, pour éviter justement que toute l'eau se répande. Ça ne se renversera pas. Et qu'il y ait des chocs électriques, etc. Anaphylactique aussi. Anaphylactique aussi. Mais là en l'occurrence que quand il y a un tremblement de terre, il y a des câbles qui s'arrachent et pour éviter d'être électrocuté, ça limite énormément le débit qui coule. Ils sont intelligents ces gens. Bah, c'est-à-dire que quand t'as ça posé sur ton bureau, que ça se renverse, bim, tu renverses pas sur ton clavier, sur tes câbles électriques qui sont par terre. Là, pas possible parce que ça se renverse, il y a la bille qui bouche le truc et tu vas l'ouvrir. Et je vais l'ouvrir. Parce que je pense pas que t'en aies ouvert. Non, déjà. Je l'ai pas ouvert. Voilà, bah tu vas voilà. Découvrir. Montre. Donc tu poses le petit bouchon ouais. Là-dessus. Donc ouais. C'est un petit bouchon qui est pré-découpé. Ouais. Et qui. D'accord, voilà. Et qui te permet avec le petit bitonio de pousser la petite bille. Bitonio, voilà. Et t'appuies comme un bâtard. J'ai pas d'appui avec le tout pour l'entrer. Il va faire de la merde. Je sens qu'il va faire de la merde. Je sens gros comme une maison qui va faire de la chute. Alors attends. J'arrive pas à l'ouvrir, j'ai mes mains qui glissent de la bouffe de tout à l'heure, là, les snack fever. Alors, c'est parce que tu t'es trompé. Je me suis trompé. Voilà. Et j'ai fait la même erreur quand j'ai ouvert le piccolo, quand j'étais dans ma chambre d'hôtel. D'accord. Voilà. Ce que vous avez vu tomber, c'est le bouchon. Parce qu'en fait, le bouchon est constitué de deux parties. Et donc, il faut retirer la partie il supérieure. Il faut retirer la partie supérieure qui va venir péter le bouchon. D'accord. Voilà. Voilà. Donc là, je peux faire mumuse maintenant. Et là, maintenant, tu vas pouvoir l'ouvrir. Je vais pouvoir faire la pression. Vas-y. Voilà. Là, ça sera et ouais, ça vas-y, sera mieux. Tiens. Allez. Et attention. Voilà. Ouais, ça fait de la chimie. Spectacle. Il y a eu de la fumée et tout. Et regardez, la bille, comme par magie, est tombée. Vous ça voyez sent la fraise, bille. Sent bon. Ça sent bon. Voilà. Donc c'est souvent, comme tu le disais tout à l'heure, un petit peu pétillant. Et on va donc découvrir le premier au parfum de fraise. Alors, vous voyez que quand je mets comme ça, ça coule. Tant que la bille n'est en train d'obstruer le truc, ça coule. Mais si je la renverse totalement à l'horizontale, ça coulera plus. Parce que la bille va venir boucher pour empêcher justement que ça se renverse. Ouais. Et c'est là toute l'ingéniosité japonaise. Faudrait essayer d'ailleurs, renverse-la d'un coup de droite, comme ça, voir si ça bouge. Bah regarde. Vous voyez, ça limite beaucoup le débit. Là, ça coule encore parce qu'il en restait dans le truc, mais sinon ça coule plus. Voilà. Et là, c'est totalement l'envers. C'est ça. Regardez, normalement, ça doit couler à fond, ça coule plus. Mais par contre, si je remets comme ça la bille. Allez. Ah merde. Mais le plus. Et je pense à un truc là. C'est comme dans. Certaines femmes qui font ça. Il est con. Et donc, on va déguster la version. Bref, ça coule. De source. Mais moi un peu, parce que tu m'en as pas mis beaucoup. Ouais, mais. C'est parce que tu t'es fait obstruer. Allez, parce qu'on en a 3 à déguster, ça fait déjà 5 minutes de vidéo. Ouais, mais la bille, elle marche bien. Ah, on m'avait dit, il y a deux boules là sur le côté, faut tenir ça en fait, pour que la bille. Putain, voilà, faut tenir ce truc et la bille, comme ça tu peux verser correctement, et la bille normalement ne devrait pas trop casser les couilles. Pour rester c'est ça. Familier. Voilà. Voilà. Donc, première dégustation à la fraise. D'accord. Allez. Aïe. Aïe. Pas mal. Ouais, c'est chimique quand même, la fraise pour moi. C'est doux. En fait, elle est pas super forte. Tu vois, quand tu bois un sirop de fraise grenadine, c'est beaucoup plus fort que ça. Mmh. Les lamounets, c'est des limonades
super douce, super soft. C'est comme un truc, c'est un peu gazéifié, mais c'est pas très sucré. Ouais, c'est vrai. Mais c'est bon, ouais, c'est, ça passe tout seul. Ouais. Je prépare l'autre hein, pendant qu'on finit de parler, parce que comme ça, on va raccourcir tant de vidéos. Allez, tu vis. Non, mais si tu jettes le bouchon... Elle bouchonne. Remontre hein, comment ça se déroule. Voilà, donc il faut retirer de l'opercule le petit bouchon comme ceci. Voilà. Et vous venez presser la bille comme cela. Ah putain, c'est quand même assez... En fait, un enfant peut pas le faire. Et pourtant, c'est les enfants qui achètent ça. Je te promets, ça marche pas. Faut le faire droit. Ah, vas-y, vas-y. Pas le bâtard. Voilà. Donc voilà. Ça marche mieux avec le plat de la main. Parce que c'est hermétique aussi. Hein. C'est vraiment fait de telle manière à ce que ça puisse être conservé. Et le vendeur, plusieurs années. Le vendeur nous a dit qu'il y a beaucoup d'enfants qui achètent ça. Et ils raffolent notamment des trucs comme ça. Dragon Ball, One Piece et d'autres succès et animés. Surtout à fond noir. Ça marche super bien. Ouais, celui-là, il y a un fond noir. Ils disent ça marche super bien au Japon. Et les gens sont à fond dessus. Et ça, c'est Dragon Ball Kai hein, d'ailleurs. Ouais. Il va y en avoir à mon avis des Dragon Ball Super. S'il n'y en a pas déjà, dites-le nous dans les commentaires. Parce qu'on suit pas toutes les sorties la monnaie non plus, mais c'est cool. Et lâche la monnaie. Donc ça, c'est goût normal. Original. Donc sûrement... Donc il n'y a pas de colorant, quoi, de truc... De la limonade, en fait. Bah c'est de la limonade, la monnaie c'est de la limonade. C'est la limonade. La monnaie c'est... la monnaie d'eau. Ouais. La limonade. C'est de la limonade. Mais moins sucré que la limonade qu'on a en France. Ouais. Les Japonais sont pas très très sucrés. Non mais c'est bien, parce que c'est juste ce qu'il faut. Ouais. Et ça te désaltère. Parce que si tu prends de la limonade de la vraie, t'as soif après une limonade. Alors ça, j'ai l'impression que c'est une nature aussi. Ouais, mais beaucoup plus fraîche parce que celle-ci, il faut le dire, elle sort du frigo. Alors on l'a fait ? Ouais. Elle va nous glisser du truc, hein. C'est juste ça le truc. Elle va nous glisser du truc. Bah, c'est-à-dire qu'elle est... elle glisse quoi, elle est... Elle glisse. Elle est humide. Mais on va le faire avec le plat de la main. Donc c'est la main. On va retirer le plat, moi j'avais fait pour toi. T'as envie de faire croire que t'as du talent alors que t'en as pas. C'est ça. Ouais, mais c'est dur. Merde. Alors, l'upercule. Avant que je t'upercute, on retire évidemment, on a le bouchon, je vous rappelle, hein, qui est comme ça. Hop, voilà. On récupère cette partie-là qui va venir enfanter la limonade. Appuyez que le plat de la main, ça va mieux. Je sens que ça va. Et voilà. Et la petite bouloche qui est tombée. Voilà, donc l'ovule. Les métaphores dans cette vidéo, c'est ça part en cacahuète. Allez, voilà. Et donc on va voir ce que ça donne bien frais. Là, vous entendez bien le bruit gisant de la limonade. Alors, frais, ça change la vie quand même. Ah, ça change la vie. Entre l'autre qui n'était pas et celle-là, je vous assure, si vous achetez des limonades ou vous en commandez au Japon, franchement, mettez-les au frais. En même temps, elle est dans mon frigo depuis 3 semaines quand même. Ça change le, et ça le se conserve côté bien, rafraîchissant. C'est top. Ça tue sa mère, hein. C'est super bon. Je vais recommander des caisses. Tu sais, quand on fait le tournage, claque, il a mené. Il y a un petit goût un peu plus sucré. Bah franchement, ça fait plaisir. C'est Yakissi qui nous a filé celle-là. Ah, donc on va vous remontrer. Voilà. Enfin, celle-là, je l'ai acheté à Yakissi. Et celle-là, c'est on Yakissi. On les a eu en convention quand on était au Geeks Live. On nous a donné les deux, la Et mounée. Ça, c'était à Lille. Ouais, avec la bleue. Donc en fait, tu l'as dans ton frigo depuis 6 mois. Ouais, mais c'est là que je vous dis que... Vous voyez, c'est à déguster avant novembre 2018. Ah ouais. Donc il y a une, y a un temps de gestation très long avant de plus pouvoir profiter du... D'accord, bah dites-nous en tout cas, qu'est-ce que vous avez... Pardon, c'est très gazé. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette découverte à la monnaie? Si vous connaissez, et si vous ne connaissiez pas, dites-le nous également dans les commentaires, et on va conclure la vidéo comme ça, et abonnez-vous, et puis je vais vous dire au revoir, parce que moi je dois rôter. Donc à très vite. Allez, matané. Matané, ciao. Petit aparté, on est en train de galérer comme des cons. Ça marche pas. Mais si, ça marche. C'est écrit, en fait, on peut retirer cette partie-là, la partie bleue, pour enlever la bille et du coup faire couler beaucoup plus rapidement. Mais c'est super résistant, c'est chouette. Ouais, c'est super galère. En Mais fait, c'est faisable. On sent que tout est fait pour que s'il y a la chute, ça se casse pas, le verre est très épais et ça... Voilà. Allez, allez.